Ah, oh, ça, c'est les Ursulines, ça. Ça, c'est la... voilà. Ça, c'est notre activité sociale, là. Donc, c'est une maison de repos du CPS. Les Ursulines, c'est rue des Ursulines. Donc, c'est. Est-ce que vous connaissez le Parti Socialiste? Non. Eh bien, oui, mais c'est juste en bas du P. Donc, c'est boulevard de l'Empereur. La gare de la Chapelle. La gare de la Chapelle, juste en face. Voilà, ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Ça, c'était le directeur. Voilà, ça, c'est sans doute encore des Ursulines qu'on a gardées pour les visites. Voilà. Ah, la reine, debout. Non. Ah, Napoléon. Ce gars-là est très important. Ce gars-là est extrêmement important. Parce que tout notre patrimoine vient de lui. En fait, nous étions français. En 1792-3, nous sommes devenus français. 95, nous sommes devenus français. Oh, c'est bien. À l'époque, évidemment, le régime français s'installe chez nous. Et évidemment, les lois sont les mêmes. Et donc, tous les biens dits appartenant à l'Église sont rassemblés et sont confiés à l'ancêtre de l'assistance publique du CPS, c'est-à-dire la commission des auspices et de bienfaisance. Et donc, c'est grâce à Napoléon que le CPS a une telle... grâce aux Français que le CPS a une telle, a un tel patrimoine, autant de propriétés, qui est évidemment mis à disposition des Bruxellois. Aux Ursulines, donc toujours dans ce bâtiment-là. Non. Voilà. C'est l'intérieur, c'est le jardin intérieur des Ursulines. Donc on... Voilà. Oui, on peut pas tout... Bon, ça fait partie de... Ça fait partie donc de la reprise, évidemment, des Ursulines. C'est le reliquat du... Mais il n'y a plus personne. Hein. Donc, on va l'affecter à un moment donné à autre chose, parce que, de toute façon, voilà, c'est pas utilisé. Désacralisé, ouais. C'est la rénovation des Ursulines. Donc, on est en train de rénover tout ça. Voilà. Donc, l'église de la chapelle... On est juste en face. Ça, c'est l'école Cynthian Berkmans. On est juste en face. Voilà. Okay. Ouais. Bon, ça, c'est l'activité dans les maisons de repos. Hein. Voilà. Ah, si, c'est gay. Ah.